Et je suis heureux aussi parce que cette anecdote, elle illustre complètement le cœur de mon projet. C'est une fédération beaucoup plus proche de ses clubs et beaucoup plus proche de ses territoires qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pas pour rien que nous avons choisi comme slogan de campagne la fédération, la fédé, c'est vous, et je vais vous marteler tout ça toute la soirée pour que vous soyez convaincus, et on va vous exposer à travers quelques exemples que ceux qui décident ou qui doivent décider de la vie de rugby, c'est vous, les présidents de club. Donc je vous disais cette phrase de l'intendant de Soudan ce soir, ce ne sont que des mots, me direz-vous. Pas pour moi, et j'aimerais qu'en repartant ce soir, vous en soyez tout simplement convaincu. La fédération, c'est vous, si je dois résumer mon programme en une phrase, je vais vous la rendre, cette fédération qu'on vous a supprimé, ce pouvoir qu'on vous a supprimé, on va vous la rendre, je vais vous la rendre. Pour certains d'entre vous, qui étaient à Marcoussis le 5 décembre, je ne sais pas si certains présidents sont là l'idée, oui, voilà. Vous avez compris ce jour-là que la fédération c'était vous. Qu'est-ce qui s'est passé ce 5 décembre à Marcoussis? Premièrement, vous l'avez sans doute vu dans la presse, le président Carreau a proclamé sa candidature lors des déclarations solennelles sur l'air du sauveur de la patrie, sans jamais me nommer et en tentant de me discréditer sans cesse. Sans jamais revenir non plus sur un bilan désastreux après le temps de Rennes, j'y reviendrai, mais en premier temps, un avenir lumineux et enchanté, sans expliquer le désastre de la Coupe du Monde, mais en premier temps maintenant que l'équipe de France sera enfin au cœur des préoccupations fédérales. Il était temps. Sans donner non plus le début d'une explication possible sur les 200 millions d'euros manquants pour la construction de ce grand stade qui ne verra pour nous jamais le jour. Secondement, nous avons sauvé, et quand je dis nous, c'est vous, les présidents de club qui étaient présents à Marcoussis et moi, nous avons sauvé ensemble le vote décentralisé. Pour rappel, vous avez voté hier en 2013 au Congrès un trait de mesure dans la possibilité d'organiser des assemblées générales décentralisées pour lesquelles le vote électronique était mis en place. Comprenez donc là le vote à distance, et plus précisément, le vote depuis les ordinateurs de votre comité.